ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, nous allons commencer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce troisième jour de Ramadan 1437, une série de cours, donc une émission, Inch'Allah, qui est intitulée « Les Assises de Ramadan ». J'ai donc choisi de lire et de tirer quelques leçons d'un épître qui s'appelle « Les moyens utiles pour une vie heureuse » du Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, ou bien Al-Sa'di, Rahimahullah. Cet épître, il est essentiel pour tout musulman, débutant ou bien même ancré dans la pratique. En réalité, il est même utile pour des non-musulmans. Car cet épître, il vient éclaircir la vraie définition du bonheur. Le bonheur que tout le monde recherche, qui est l'objectif primordial de tous les êtres humains dans cette vie. Donc les gens, ils se font différentes idées du bonheur. Il y en a certains qui pensent que la manière de réaliser le bonheur et de l'atteindre, c'est en amassant les fortunes et en les faisant croître. Il y en a d'autres qui pensent que le bonheur est cerné dans la santé et dans la sécurité. Il y a ceux qui pensent que le bonheur est dans la recherche de la subsistance licite et de l'acquisition de toutes les sciences qui lui sont utiles en ce monde. Tandis que d'autres trouvent le vrai sens du bonheur dans la foi et dans les bonnes œuvres, ainsi que la fidélité à ses principes. En réalité, rien n'empêche de considérer que tout ce qui vient d'être cité fait partie du contexte du mot bonheur, puisque tout ceci vient converger avec les principes et les normes de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on s'aperçoit qu'il y a deux sortes de bonheur. Le bonheur mondain, temporaire, limité, qui est limité par une vie courte et instable, qui est le bonheur de ce bas monde. Et il y a le bonheur de l'au-delà, qui est éternel, infini. En réalité, les deux bonheurs sont corrélatifs et ils sont inséparables. Le bonheur de ce bas monde est simultané à celui de l'au-delà. La vie heureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà se retrouve en la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah ta'ala soit satisfait des hommes pieux, croyants, et qu'il leur donne en échange de cela la félicité et le bonheur. Allah ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate An-Nahl, verset 97, « Quiconque, qu'il soit un homme ou une femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. » C'est pour cela, il est important de comprendre que veut dire le bonheur, comment il se réalise, et qu'est-ce que le malheur, et comment en prendre garde et s'en éloigner. Nous avons dit précédemment que le bonheur se focalise dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'obéissance en son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De même que le malheur mondain est dans l'au-delà, se focalise dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la désobéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate Al-Ahzab, quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Cet épître qu'on va étudier ensemble, dont on va parler et on va s'arrêter inshallah sur quelques points que le Cheikh Abdurrahman Ibn Nasr al-Sa'di, ou bien al-Sa'di, rahimahullah, il comporte ce livre 8 chapitres, dont l'auteur a défini les mobiles et les causes du vrai bonheur. Il a éclairci le chemin qui mène à ce bonheur, ainsi que les moyens à utiliser pour son obtention, en se basant pour cela sur des preuves puisées du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de tracer le vrai chemin qui mène vers une vie heureuse, celle dont
toute la communauté musulmane est appelée à suivre dans le but d'organiser sa vie en toute lumière et avec clairvoyance. On entend beaucoup les gens se plaindre d'être malheureux, d'être tristes, de ne pas goûter à la douceur de la vie. Ou parfois même certains de nos frères ou certaines de nos sœurs, malgré qu'ils ont emprunté en apparence ou bien en partie le chemin de la foi, peuvent sentir une sorte de mal-être, de faiblesse dans leur satisfaction et dans leur foi. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous les moyens pour vivre une vie heureuse en ce monde et dans l'au-delà. Le commun des musulmans pense que suivre le chemin de la religion, cela veut obligatoirement et automatiquement dire d'être malheureux dans ce monde. En quelque sorte, il faut sacrifier dans ce monde les bonheurs de ce monde pour pouvoir avoir le bonheur éternel dans l'au-delà. Cette façon de penser n'est pas tout à fait juste. En effet, sacrifier sur ce qui est illicite, sacrifier ce qui est surplus, ce qui ne nous donne pas en réalité le bonheur. Pour le clairvoyant, ce n'est pas un sacrifice, car il délaisse ce qui est mauvais pour lui. Et il goûte au bonheur dans cette vie avant même de goûter au bonheur dans l'au-delà. Et le seul chemin pour accéder au bonheur complet dans cette vie et le bonheur parfait dans l'au-delà, c'est le chemin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'attacher au Coran, matérialiser le monothéisme pur, le fait d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, méticuleusement de s'éloigner de tout ce qui est interdit et de tout ce qui est douteux. On trouve aussi beaucoup de gens voulant mettre en opposition le côté spirituel et le côté des réglementations en islam, alors qu'ils vont de pair. On ne peut développer une spiritualité correcte sans être dans la sunna, sans se référer aux normes, aux règles, sans suivre le halal et le haram. Et ceux qui en réalité veulent essayer de développer la spiritualité en délaissant les règles, ils ne font en cela que s'égarer et le shaitan leur embellit leurs actes et en réalité ils ne développent ni l'un ni l'autre. Ils ne font que s'égarer d'un égarement lointain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقل رب زدني علما.